Bonjour, je suis aujourd'hui avec Jean-François Ruiz, l'organisateur du mastermind, des masterminds qui s'appelle Game Changer. Bonjour Jean-François. Bonjour Gaël. Bah écoute, pour les personnes qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et quels sont les résultats que tu as obtenus dans ton business ? Alors me présenter, moi je suis un multipotentiel, donc j'ai plusieurs casquettes, mais j'aime à la fois le business et la spiritualité. Développement personnel, donc j'ai plusieurs entreprises par rapport à ces différents sujets, donc j'organise des masterminds comme tu l'as dit, j'ai aussi fondé l'académie du développement personnel et récemment le Holistic Reading. Je dirais que mes résultats ont été fortement augmentés quand j'ai commencé à m'entourer des leaders du marché de l'infoprenariat, de la vente de formation en ligne. Et en fait, c'était vraiment un game changer pour le coup de réussir à échanger avec ces personnes-là parce que j'avais des croyances limitantes qui m'empêchaient de développer mon business. Je n'avais pas toujours les bonnes stratégies pour développer le marketing alors que je faisais moi-même une agence de web marketing. On dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein, comme on dit. Et donc, ça a été vraiment quelque chose qui a vraiment changé la donne pour moi. C'était tellement inspirant de voir ces infopreneurs qui faisaient des lancements, qui impactaient des centaines, des milliers de vies très rapidement, très fortement et qui développaient leur propre sécurité financière, leur propre indépendance, leur propre liberté. Hyper inspirant. Magnifique. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un infopreneur, qu'est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ? Un infopreneur, c'est un entrepreneur de l'information. C'est Christian Godefroy qui avait inventé ce terme. Donc, c'est des entrepreneurs qui travaillent l'information brute et la formatent, la structure pour la rendre compréhensible, actionnable pour obtenir des résultats dans tous les domaines qui peuvent exister. Donc, vous pouvez être infopreneur dans le business, dans le développement personnel, dans le jardinage, dans tout ce qui vous passionne en fait. Magnifique. Et est-ce que les masterminds fonctionnent même si on n'est pas infopreneur ? Alors, les masterminds fonctionnent pour tout type de business. En fait, l'idée d'un mastermind, c'est quoi ? C'est activer la puissance du cerveau collectif. C'est-à-dire qu'on a tous des idées, des perspectives, des blocages. Et en fait, quand on se met ensemble et que, eh bien, on mastermind, c'est même devenu un verbe, eh bien, c'est comme si on faisait un stretching de son cerveau. C'est-à-dire qu'on va tirer sur ses croyances, on va en casser d'autres, on va adopter des nouveaux mindsets, des nouvelles stratégies qu'on n'aurait pas eues finalement si on ne s'était pas confronté, si on n'avait pas échangé avec d'autres personnes qui ont fait ce chemin ou des chemins différents qui vont nous inspirer sur notre propre chemin. Et aujourd'hui, dans quelle mesure, selon toi, est-ce que le mastermind, les masterminds même en général, t'ont permis d'arriver là où tu en es dans ton entreprise, dans ton business ? J'avais une agence de marketing digital et finalement je développais, j'ai réussi à faire plusieurs centaines de milliers d'euros, je crois qu'on est monté jusqu'à 600 000 euros une année, mais j'étais crevé, j'étais au bout du rouleau, limite burn-out, j'étais en surpoids, je dormais plus, donc j'avais pas les bons mindsets, les bonnes méthodes, les bonnes approches. Et quand j'ai commencé finalement à organiser ces événements mastermind. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est exactement au moment où j'ai commencé à organiser des masterminds avec les leaders du marché que mon business il a explosé. Ensuite, j'ai commencé à développer des formations en ligne, j'ai commencé à vraiment accélérer finalement tout en réduisant le temps de travail. Donc, je travaillais plus efficacement avec des meilleurs modèles, des meilleurs mindsets. Et en 10 ans, on a fait plus de 15 millions d'euros de ventes sur Internet. Grâce à finalement cet entourage qui m'a inspiré régulièrement. Chaque année, je les ai retrouvés dans mon mastermind et on a échangé, on s'est développé et franchement, ça a tout changé. Magnifique, donc c'est un mélange de connaissances, de mindset et d'entourage. Réseau, ouais. Connaissances, réseau, inspiration, de voir que d'autres l'ont fait, que c'est possible, qu'on peut aller plus loin, que finalement, on peut vraiment développer son entreprise avec l'aide des autres. Magnifique. Et si on revient quelques années en arrière où tu n'avais jamais fait de mastermind, donc imagine-toi, tu es chez toi sur ta chaise, peut-être derrière ton écran d'ordinateur, et tu es sur cette page qui fait la promotion d'un mastermind et tu te dis « Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas ?» Quel conseil donnerais-tu à ce Jeff de l'époque ?
Alors, je ne sais pas si je vais parler de moi-même parce que c'est difficile, mais je sais que j'avais une personne comme ça qui hésitait de venir, qui s'appelait Yann Darwin et qui avait fait 0 euro. Hein. Il était blogueur, il était derrière son ordinateur, il hésitait à venir et je lui ai dit, mais vas-y, ça va changer complètement ton game. J'ai mis un coup de pied au cul, comme on dit. Et finalement, bah, il a décidé de le faire, il a sauté le pas, il a investi dans cet événement. Et finalement, bah, pour lui, ça a totalement changé le game. Il est passé de 0 à 800 000 en une année. Puis bah, le reste, c'est l'histoire. Hein. Vous savez, vous connaissez probablement, vous l'avez probablement vu sur YouTube. Donc je vous dirais, si vous voulez faire un parcours explosif, si vous voulez ou simplement développer votre business, si vous êtes là dans un plafond où vous vous dites, ben voilà, j'arrive pas à passer au cap supérieur, ben, c'est pas en restant chez vous que vous allez y arriver. Donc sortez de chez vous. Venez au mastermind, confrontez vos idées, échangez avec les autres, parce que de toute façon, il n'y a pas de meilleur moyen de vous élever que de vous entourer des gens qui vont vous aider à vous élever. Donc, c'est vraiment un no-brainer, en fait. Vous ne posez plus la question, arrêtez cette vidéo, arrêtez de regarder les autres témoignages, il n'y a plus besoin. Vous cliquez sur le bouton « Vous inscrire » et vous rejoignez ce mastermind avec Gaël et vous aurez un avant et un après garanti. Merci, Jeff. À bientôt. Plaisir.